Villers ou Tréau est une commune française située dans le département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais. Au Moyen Âge, le village était une dépendance de l'abbaye Saint-Pierre de Hornecourt. Il traverse la période révolutionnaire avec les bouleversements que l'on imagine, mais sans grand dommage. La guerre 14-18 détruit le village en partie et 103 soldats meurent pour la France. Après la reconstruction, la récession et les grèves, la Seconde Guerre mondiale ruine en partie le village. Marie et Stéphane Larmini vivaient paisiblement depuis 2 ans dans ce pavillon. Début septembre 2014, cette famille quittait en catastrophe leur maison persuadée d'avoir assisté à des phénomènes paranormaux. Tout a basculé le 26 août 2014, quand Stéphane, le père de famille, décide d'abattre l'arbre situé devant la maison. Le tronc faisait une trentaine de centimètres. Mais le moteur de sa tronçonneuse a brûlé. Il a dû en acheter une autre, qui a déraillé une vingtaine de fois. S'il y a quelque chose qui réagit, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal dans la maison. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau du grenier, ça, c'est le grenier et que c'est lié à un cage d'escalier jusque ici en bas au niveau des WC. Ils ont ressenti une présence dès ce jour. Cela a commencé avec des chuchotements, des bruits, des portes qui claquaient derrière eux sans aucune raison, puis les phénomènes se sont intensifiés. Les enfants se réveillaient en pleine nuit, terrorisés car ils voyaient des visages dans leur chambre. Leur fille de 3 ans hurlait, en disant qu'il y avait une petite fille au plafond qui la regardait. Ils ont aussi vu des visages, un homme avec des moustaches comme au 19e siècle. Une grosse forme noire dans le couloir. Un jour, au réveil, des traces de doigts sur la poitrine, un autre matin, la marque d'un chiffre, 6 ou 9, inscrit sur le poignet de Stéphane. À côté, ma fille de là, j'étais dans le canapé avec mon PC, je regardais les groupes, je regardais tout, j'ai senti un froid entrer par les orteils. Le couple avait également fait appel à un prêtre pour bénir la maison. 2 heures après, les phénomènes avaient repris avec encore plus de violence. En fait, je crois que je l'ai réveillé par rapport à ça. J'ai donné un coup dans sa tête, et quand il s'est réveillé, sa bouche, le froid, la peur. Depuis lors, leur histoire a passionné, ému, fait ricaner aussi. Mais comment savoir si des entités ont pris possession des lieux? En allant y passer la nuit. 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? Christophe, tu m'entends bien? Ok. La typologie de la maison est définie comme suit, un rez-de-chaussée, un étage, et un grenier, il n'y a pas de cave. Le rez-de-chaussée est composé de 5 pièces, en voici la composition, un couloir, des toilettes, une cuisine, un living et une chambre. Le premier étage est composé de 6 pièces, en voici la composition, un couloir, un débarras, une salle de bain, 3 chambres, dont 2 petites chambres côté pignon. Le grenier est composé d'une seule et unique pièce qui couvre toute la superficie de l'habitation. Alors que nous préparions la première phase du live, et résoudre les nombreux et divers problèmes rencontrés, Vincent semblait ne pas être seul dans la chambre. C'est bon? Maintenant, je veux plus entendre personne, plus un mot, s'il vous plaît. Ici. Voilà, donc bonjour et bienvenue dans cette émission qu'on a voulu faire ici pour voir si il y a vraiment un phénomène paranormal ici qui s'y produit. Donc nous sommes en compagnie de monsieur de la famille Larmini qui va nous expliquer un peu ce qui se passe dans la maison, parce que
tout ce qui est presse papier et compagnie, souvent c'est les détails manquent, et qu'au niveau verbal, je pense que c'est beaucoup mieux qu'il explique un peu ce qui se passe dans la maison et tout ça. Pour tous ceux qui nous regardent, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc voilà, est-ce que vous pouvez expliquer un peu, plus ou moins, en résumé, un peu tout ce qui se passe? Déjà, là-bas, cette chambre-là, c'était la chambre des petits, donc on a échangé à peu près 15 jours. Mais avant, ils n'arrivaient pas à dormir dans la pièce parce qu'ils disaient qu'ils étaient toujours observés. En fait, il y avait des trucs qui ne collaient pas, quoi. Et donc après, dans la chambre de mon fils, c'est pareil. Donc, ils se sentaient toujours observés. En fait, tout le haut, on va dire, il y a un petit souci. Dans l'escalier, c'est encore pire parce qu'on a peur d'y monter, d'y redescendre. De toute façon, on sent toujours une présence dans l'escalier. Et quand on prend des photos ou quoi, les photos sont là pour le faire voir. On voit des visages, on voit, donc il n'y a pas... D'accord. Il y a... Vous êtes combien d'habitants dans cette maison? Il y a moi et ma femme et 4 enfants. 4 enfants. Donc, filles, garçons... De quel âge, plus ou moins? 2 filles et 2 garçons. Donc, 2 filles et 2 garçons. Il a 21 ans, le deuxième garçon, il en a 7. Après, il y a une fille qui va avoir 3 ans. Puis, D'accord. Au niveau des enfants, est-ce qu'ils ont ressenti quelque chose, ou est-ce qu'ils vous ont dit, tiens, papa, il se passe quelque chose là, c'est pas normal? Ils n'arrivent pas à dormir, ils sont obligés de dormir avec une lumière. Ça se réveille, ils disent qu'ils se sont observés. Il y a... Bon, au début, on ne prête pas trop attention, peut-être que c'est un peu du cinéma, mais maintenant, je n'y crois plus du tout, quoi. Pour qu'il se, le petit se réveille ici, il se mette à pleurer devant la porte, et puis qu'il veut descendre, qu'il n'ose même pas aller aux toilettes en bas parce qu'il a peur de descendre l'escalier. D'accord. C'est qu'on ne l'invente pas, c'est les, okay, mêmes enfants le ressentent, quoi. C'est... D'accord. Donc ici, vous m'avez parlé de cette chambre-ci. Désolé pour la construction, en étant ici, en fait, pour changer... Quelques minutes après le début de l'interview, le premier phénomène se fait entendre. On a disposé, donc Vincent, tu peux expliquer? On a disposé, en fait, plusieurs... C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai entendu un poum. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est peut-être le lit, parce qu'on est peut-être assis dessus. De toute façon, on va pousser vraiment à fond. Ouais, on vous explique au niveau technique. En fait, dans le point de vue technique, donc il y a une caméra ici dans la chambre. Il y a deux caméras, une caméra dans les deux petites chambres des enfants. Alors, Francis Nicolas a disposé une caméra de chasse dans le petit grenier, juste ici à côté. Alors, il y a une caméra donc dans le salon. Caméra dans une des chambres en bas, et une caméra dans les WC aussi. Alors, on a parlé là ou quoi? Oui. Ils ont dit quoi? Oui, je pense. C'est en bas, hein, en fait. C'est parce qu'on nous entend. Donc, je disais, de toute façon, il y a la caméra de chasse qui est disposée au grenier. Donc là, je ne sais pas quelle heure il est. À mon avis, il doit être 23h15, non? 23h20. Un truc comme ça. Vers plus ou moins 1h du matin, je pense que on ira peut-être chercher la caméra de chasse pour pouvoir faire une analyse de éventuellement ce qu'on aurait pu capter sur la caméra de chasse. Ça va? Voilà, donc désolé du petit contretemps et du petit problème qu'il y a eu. C'est du direct aussi. C'est du direct. Donc voilà, pour vous expliquer un peu combien on est dans la maison, je pense qu'on est bien une dizaine, hein, non? 10 ou à peu près. Ouais, une dizaine dans la maison. Donc, au niveau des bruits parasites, comment je veux dire, et des problèmes qu'on peut rencontrer, on va être très sensible là-dessus. De toute façon, donc on va vraiment tout analyser en profondeur. Donc ici, en fait, on a la presse qui a créé l'article dans le Nord, c'est ça? Dans la Voix du Nord. La Voix du Nord, tout à fait, voilà. Donc elle est avec nous, voilà, donc vous avez décidé de revenir alors pour participer à cette enquête-ci, c'est ça? Voilà, en fait, suite au premier article qui a été rédigé par ma collègue Chloé Virandowski, on a souhaité passer une nuit, sinon une partie de la soirée dans la maison pour constater par nous-mêmes les faits dans la mesure où ils peuvent survenir et apporter un témoignage objectif sur ce qui peut se passer dans la maison de M. et Mme Arminy. Et quand est-ce qu'il paraîtra votre article? Dimanche, voilà. Mmh. Donc, pour plus d'informations, de toute façon, vous pouvez suivre le groupe Eurogross, les différents liens de partage qu'on va faire, la presse de la Voix des Noirs, et alors, comme ça, vous aurez un peu plus d'informations, mais bon... Oh. Quoi? C'est quoi?
K2. T'as pas vu le K2? Il a bougé. Ah ouais, putain, donf, quoi. Lequel? Le tien. Ah, le mien. Ah oui, il a réagi super fort, quoi. Bon, enfin, on regarde ça après. On a aussi avec nous deux personnes qu'on a accueillies au niveau technique. Je suis Christophe du magasin CCD TV Distribution à Tournai. Et donc on a mis à disposition des caméras infrarouges haute définition avec un infrarouge quand même relativement puissant, ce qui vous permet de pouvoir nous voir comme si vous étiez en plein jour alors qu'on est nous carrément dans le noir. Je suis accompagné de Cyril qui est mon associé dans l'histoire et pour nous c'est une première chez Euroghost et peut-être pas la dernière. Voilà. Voilà. Donc au total, donc, comme on disait tout à l'heure, donc il y a la caméra de chasse qui se trouve dans le grenier, donc vers plus ou moins une heure à mon avis, une heure et demie, je crois qu'on va aller rechercher la carte, vider la carte et analyser ce qu'il y a sur la caméra, si on a capté quelque chose, etc. Il y a donc quatre caméras comme Christophe l'a dit, on a encore, je crois que c'est trois caméras à nous. Hein, trois caméras hier qu'on a postées en bas. Il y a aussi Francis qui est là avec la caméra et tout ça. On a une caméra thermique aussi. On a un thermomètre, il y a deux. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Une Ghost Box. C'est ça. On va vraiment tout tester. On va provoquer. On va vraiment pousser vraiment à bout pour essayer d'avoir vraiment quelque chose. Et donc là-dessus, voilà. Donc s'il y a des petits problèmes techniques, veuillez nous en excuser. Il faut savoir que c'est par le net, donc savoir le débit, le haut débit, etc. Donc peut-être ça risque par moment peut-être saccader ou peut-être l'image est peut-être floue. Mais là, on est vraiment désolé, mais c'est vraiment le seul système qu'on a trouvé actuellement pour pouvoir diffuser nos enquêtes pour que vous soyez vraiment au plus près du paranormal et de ce que nous on pouvait vivre sur place. Voilà, donc on va revenir à monsieur. Coup sur coup depuis le début, nous rencontrions différents phénomènes, problèmes techniques, bruit sur un terrain qui nous semblait bien chargé en énergie, et à notre grand étonnement, au-delà de ce qu'on attend d'une simple investigation, ce que vous allez voir et entendre est bien réel. En fait, il y a tout plein de trucs qui font. D'accord. Déjà, c'était pas normal quoi, à la base, donc après tous les bruits qu'on entendait, plus. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu en même temps. Il vient d'avoir un bruit juste derrière. Oui. Derrière nous. Oh, je pense que c'est au niveau du volet. Il y a quelqu'un ici avec vous? Le K2, le tien, il a. Oui. Ah ouais, putain, il a réagi fort, même jusqu'au rouge, quoi. Il a réagi super méga fort. C'est pas normal quoi, à la base. Donc, nous avons entrepris dès lors de questionner ce qui se dessine comme une forme de phénomène. Nous nous rendions compte très vite des problèmes rencontrés lors du direct. Et qui était peut-être lié ou en lien avec les faits depuis le début. Notre point de départ était-il un paradoxe? Débordant chez d'autres, comme dans la parole des personnes concernées, je ne crois pas aux fantômes, mais il y en a. Sommes-nous condamnés à penser comme eux? Notre rationalisme invétéré suffit-il à contenir nos affects face à l'irrationnel? L'irrationnel peut-il être étudié sans émotion? Certainement que non. Sauf que l'on n'y interroge pas les fantômes sur le terrain de la croyance ou de l'affinité émotionnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît? Oui ou non, si vous êtes présent dans cette pièce, faites un bruit. Allez, on voudrait essayer de communiquer avec vous. Pourquoi êtes-vous ici dans la maison? Pourquoi embêtez-vous les personnes dans cette maison? Veuillez nous le dire, faites un bruit, faites bouger quelque chose. Notre curiosité rejoint une demande spéculaire, et par notre interrogation commune, nous entrons dans le domaine paranormal, inspiré par toutes ces indications, nous avons de quoi ouvrir notre investigation le plus excessif sans perdre de vue l'approche motivationnelle. Si vous êtes présent. C'est 23 degrés dans la pièce pour le moment. C'est quoi ça? Pas de tic. Là dans le coin. Allez, pouvez-vous me dire s'il y a quelqu'un ou une personne dans cette pièce?
vous. C'était statique, moi, là. Ouais. Ça refroidit, sinon, la pièce. Donc, comme je disais, on a eu un bruit derrière. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais nous, on l'a entendu très fort. Ouais, ouais. Ça venait du Velux, et je pense... va un peu vers la droite avec ton point laser, s'il te plaît. Voilà. Je pense que ça venait de vers là. Le bruit venait de vers là. Donc, on va essayer, je ne sais pas si vous le voyez en hier, le point laser qui est là-bas, pour vous montrer le bruit où on l'a entendu. Donc, voilà, mais on va faire tout ça après. Chaque chose en son temps. On est parti pour une bonne petite soirée. Voilà, donc je pense, mais je pense que ça commence bien, quoi. Ouais. Donc, coïncidence ou pas, aussi, à chaque enquête, je l'ai expliqué un peu tantôt, chaque enquête, généralement... qu'on a eu, il y a eu souvent des choses, et quand il y a eu des choses que moi j'ai discuté avec les gens un peu avant d'aller en pré-enquête ou en enquête chez eux, chaque fois il se passait quelque chose chez moi, ou alors, enfin voilà, il y a des choses qui merdaient, etc. Coïncidence ou pas, ben voilà, hier j'étais malade, comme je sais pas quoi. En plus de ça, ben, j'ai fait des tests pour le live d'hier jusqu'à 2h du matin. Puis ça n'allait pas, et donc là, après la journée, on l'a fait avec François, ça a bien marché, et puis le soir, finalement, ça a foiré, on a commencé en retard et tout ça, avec un nouveau lien. Donc, et aujourd'hui, eh bien, on est arrivé à 10h moins quart. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai eu des soucis avec la voiture, notamment, voilà, comme si on ne voulait pas qu'on vienne jusqu'ici, ouais. Donc, et c'est pas sur une seule enquête, quoi, qu'on a eu ça, on a chaque fois eu ça. Je vais dire, ça s'est constaté sur plusieurs enquêtes. Donc, on a fait attention, on analyse. Donc, maintenant, à chaque enquête, on regarde toujours un peu quelques jours avant pour voir si des événements un peu spéciaux ou bizarres n'arrivent pas à quelqu'un de notre équipe. Donc, voilà. Donc, maintenant, retour ici à la maison, donc en direct à la ville de... Villers-Autréau. Avec, en compagnie de monsieur Larmigny, pardon, et donc on était avec les enfants, donc voilà, quand on parlait de la petite là ici, maintenant le grand qui avait 2 ans, c'est ça, 21, est-ce qu'il a ressenti des choses, lui, est-ce qu'il a vécu quelque chose? Ben, il nous a appris, ben, quand ça commence à dérouler, que quand on partait, il attendait de taper à la porte. D'accord. Après, il a constaté aussi comme nous, comme quoi il y a un porte-monnaie rempli de monnaie qui a du buffet à sauter sur le sol. D'accord. Vous étiez combien à ce moment-là? On était 3. Vous étiez 3 dans la pièce, ouais, quand le portefeuille a sauté? Quand le porte-monnaie a sauté et qu'il est s'écrasé au sol, quoi. Et il était où, ce porte-monnaie-là? Bah, il était sur le meuble, mais on va dire entassé, mais bien coulé, donc il ne pouvait pas bouger de toute façon. Plus la cuisine ou vers la table, là, vers notre poste de travail? Sur la cuisine. Vers la cuisine. D'accord. Okay. Donc il était bien au milieu, donc il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas tomber. Il était au milieu, et puis il a sauté, ouais. Puis il est venu, c'est. Et les autres enfants, ils ont vu quelque chose ou pas? Bah, les enfants, ils n'étaient pas là quand ça s'est passé, mais bon, après... ils auraient ressenti de particulier eux-mêmes, personnellement. À part se sentir observé, comme tout le monde. D'accord, ouais, mais maison, maintenant, peut-être ça peut être une prise de panique. Non, parce qu'il y a personne qui en parlait, donc... D'accord. C'est pas sûr. Ah oui, donc il y avait personne, ils en parlaient, ils ne savaient pas, enfin... Non, ils n'avaient jamais parlé, tout ça. Bon, à force, on a parlé, puis chacun leur tour. Mais bon, Nolan, moi, c'est vrai que... Eux, ils nous disaient, on n'a pas envie de dormir en haut, parce qu'on est observé, ils n'osent pas descendre aux toilettes, parce que... Ils ont peur de l'escalier. Bon, maintenant, je comprends mieux pourquoi. On vous reprend. On va commencer directement l'enquête. Donc, on va demander à monsieur, à Stéphane, de bien quitter les lieux. Il est 23h30. Voilà, première séance PVA. Voilà. Alors, s'il y a une ou plusieurs personnes ou entités ou esprits dans cette pièce... Veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît, soit en faisant du bruit ou en parlant directement dans le petit appareil que je tiens dans ma main ou dans l'appareil qui est en plein milieu de la pièce. Vous avez fait réagir un K2 sur la petite étagère qui est là. Pouvez-vous refaire... déclencher justement ici
le K2 que j'ai ici dans ma main, juste à côté de moi, et à côté, il y a la petite lumière bleue. Il y a une petite lumière bleue juste au bord du lit. Pouvez-vous la faire déclencher, s'il vous plaît, si vous êtes présent ici dans la pièce? Ou faites un bruit. Soit ouvrir la porte ou fermer la porte. Alors, s'il vous plaît, pour le moment, je suis un petit peu gentil. Donc, si vous voulez qu'après, je ne suis moins gentil, donc, essayez de faire réagir le boîtier que j'ai ici dans la main. Si vous êtes présent, faites-le réagir. Ou faites un bruit dans la pièce. Il a bougé. C'est pas, j'ai pas fait. On dirait qu'il a réagi. Tu as vu bouger, toi ? Ouais, je pense. Oui. Si étrange ou stupéfiante soit-elle, alors, suite à cet état de fait depuis le début, une réaction. Elle vient entre autres par le K2 et d'un PVE, phénomène de voix électronique de classe C, incompréhensible par tous. Est-ce que vous êtes présent de cette. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes présent de cette. Alors, qu'est-ce qui a fait boum? Ok. Est-ce que vous êtes présent dans cette pièce? Oui, faites clignoter la lampe deux fois. S'il vous plaît. Allez-y, si vous êtes présent, veuillez refaire clignoter le boîtier qui est ici dans ma main, s'il vous plaît. Il y a bien quelqu'un. Alors, vu bien, si vous êtes bien présent, faites-le réagir deux fois, s'il vous plaît. J'ai des frissons partout. Allez, s'il vous plaît, faites-le réagir deux fois, s'il vous plaît. Si vous êtes un homme, faites-le réagir une fois. Si vous êtes une femme, faites-le réagir deux fois. Allez, soyez pas timide. Allez, s'il vous plaît. Ah, faiblement. Mais il a clignoté. Donc vous serez un homme, oui ou non? Si vous êtes un homme, faites clignoter la lumière bleue juste à côté du lit. T'as vu la lampe? On dirait qu'elle est allumée. Il réagit, hein? Non, je vous demande pas de faire clignoter mon K2, je vous demande de faire clignoter la petite lampe juste ici à côté, sur le coin du lit. Regardez, faites comme ça, faites comme ça. Faites-la réagir comme ça. Si vous êtes présent, si vous êtes un homme, faites-la réagir deux fois comme ça. Allez-y. Non, je ne manque pas de faire clignoter mon K2. Faites clignoter la lumière bleue juste au coin du lit. C'est pas compliqué. Vous savez le faire.
Allez, est-ce que vous avez un prénom? Pouvez-vous vous dire votre prénom? Et pourquoi vous êtes ici? Il y a du bruit quelque part. Il n'y a personne qui bouge ici. Non. Il a encore réagi, hein? Ouais. Toi, il y a quelque chose sur le palier. Oh, il y a quelqu'un qui fait bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier? Oui ou non? Il y a des bruits ici, en haut. Tu veux y aller voir? Ouais, voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier? Oui ou non? Faites du bruit pour savoir si vous êtes ici présent. Juste pour vous dire que, en posant certaines petites questions, bon, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la caméra, mais le K2 a réagi à certaines questions. Donc, s'il y avait un homme ici dans la pièce, je demandais pour voir si c'était un homme pour faire clignoter une fois. Il a toujours clignoté une fois. Donc, je pense qu'il y a un homme ici dans cette pièce. Et je suppose qu'on entend des bruits sur le palier. Et on a entendu des drôles de bruits. Donc, pouvez-vous essayer encore une fois de me dire pourquoi êtes-vous ici dans la maison? Vous pouvez le dire grâce aux l'appareil que je tiens dans la main. Là où il y a la petite lumière orange, je vais aller parler tout près. Ou bien l'autre enregistreur avec la lumière rouge dessus. Veuillez parler en face, nous on pourra vous entendre. Ou bien venez essayer de me toucher, s'il y a moyen. Ou toucher la personne juste à côté de moi. Personne sur le palier? Non. Donc, il a encore réagi. Pourquoi êtes-vous ici? Je voudrais le savoir. Alors, je ne sais pas si Françoise m'entend ou quoi. Est-ce que Françoise pourrait me dire si elles se baladent dans les pièces du haut ou bien s'ils sont toujours ici dans la chambre? Françoise, s'il te plaît, si tu pourrais dire, communiquer aux personnes qui sont en bas et de me faire passer le message par papier. Suite aux divers faits supposés être paranormaux, nous décidons de tenter une approche différente avec l'utilisation de la B-Box. Le B-Box PSB7 est un excellent outil pour tenter des communications avec des entités paranormales. Il utilise la radio en balayage de fréquences pour générer un bruit blanc qui en théorie donne à certaines entités de l'énergie dont ils ont besoin pour se faire entendre. Lorsque cela se produit, vous entendez des voix ou sons dans une tentative de communication. Moi j'aimerais bien qu'on me touche. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de présent dans cette pièce, oui ou non? Veuillez parler dans l'appareil qui est ici dans ma main. Est-ce que vous êtes toujours présent dans cette pièce, oui ou non? Entendu? Dites-moi combien vous êtes ici dans la maison.
Dites-moi un chiffre entre 1 et 10. 5. Oui. 5. François, ça veut dire 4. Je viens de partir. Alors, pouvez-vous me dire votre prénom, oui ou non ? Oui. Dites-moi votre prénom. Moi, mon prénom, c'est Vincent. Dites-moi votre prénom. Soyez plus compréhensible, on ne vous entend pas. Comment s'appelle la demoiselle que vous avez tenue dans cette pièce ? Bien, pouvez-vous dire mon prénom ? Allez-y, moi j'attends une réponse. Est-ce que vous êtes présent, oui ou non ? Tu as dit ? Tu n'as pas compris ? Est-ce que vous êtes toujours présent, oui ou non ? Est-ce que vous êtes à côté de nous ? Alors pouvez-vous me dire le nom, le prénom de la jeune dame qui se trouve à côté de moi ? Ici maintenant, nous allons changer de pièce, nous allons aller dans une des chambres l'autre côté. Donc, à tout de suite. Alors, nouvelle séance Ghost Box dans une des chambres des enfants. Je vais appeler ça la chambre bleue parce que les murs sont en bleu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici, dans cette chambre, oui ou non ?
Si vous êtes présent ici dans la pièce, il y a des objets un petit peu partout, des petites statuettes, des petits objets. Veuillez faire déplacer soit un objet, ou bien faire fonctionner la petite lampe, ici aussi bleue, qui clignote. Faites-la clignoter pour voir si vous êtes présent, ou bien faites détecter comme tantôt mon petit boîtier K2 qui se trouve ici dans la pièce. S'il vous plaît, si vous êtes présent, soit dites-moi votre prénom. Il exagère, il vient de me vider ma batterie. Ah putain. Ah ben voilà. Je cherche la c'est ton dictat ça qu'il faut faire. Oui, oui, oui. Ok. Ouais. Francis Nicolas va changer de batterie à sa caméra. Pourtant il avait changé, il avait bien, il avait bien rechargé sa caméra. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi savoir si vous êtes ici. Si vous savez ouvrir la porte, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous en êtes capable. Vas-y, qui rentre dans la pièce. Donc je continue. Est-ce que vous êtes présent ici dans la pièce? Oui ou non? Faites réagir mon cadeau ou bien la petite lumière qui est juste au-dessus de ma tête. Si vous êtes présent, dites-moi votre prénom. Combien êtes-vous ici dans la maison? On sait que vous êtes 4 ou 5 entités ici dans la maison. Pourquoi êtes-vous ici? Nous, on voudrait le savoir. On n'est pas là pour rien du tout. Donc si vous dites pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous ennuyez les personnes, pourquoi les personnes sont parties, pourquoi les chassez-vous de votre maison, de la maison? Ce n'est pas votre maison. C'est leur maison à eux, mais pas la vôtre. Cru voir un truc blanc passé comme ça. Ouais. Ouais. Mais ça m'étonnerait, ça donne pas sur la vue. Ça donne comme ça en l'air. Ouais, c'est pas avec la caméra, attends, je vais recommencer. Non, vas-y, recommence. Attends, j'ai fait ça. Non. Je suis revenu comme ça. Non. J'ai vu un truc blanc passer ici comme ça. Ah oui, tiens. C'est comme si une voiture passait. Ah oui. C'est pas bon. C'est pas moi. Non, c'est pas moi non plus. Parce que ça m'étonnerait, parce que je sais pas d'où ça donne sur la rue, mais c'est une voiture qui passe, on serait pas voir les phares, et j'ai pas entendu une voiture passer. Mais non, je te jure, ça passe à fait, comme ça. Ah oui. Un genre de brume blanche. Ah oui, tiens. Ici. C'était bizarre, je dis tiens, c'est quoi ça? Allez, est-ce que vous êtes présent dans cette pièce, oui ou non? Dites-le moi, s'il vous plaît. Allez-y, faites réagir mon boîtier si vous êtes ici dans la pièce. Venez me toucher, s'il vous plaît. Ou frapper, ou griffer. Frapper, griffer. Ou bien, si vous voulez, on va peut-être jouer à un petit jeu. Je vais taper sur l'armoire. Donc, essayez de répondre à ça. Et vous devez faire comme ça. Donc, essayez de faire ça avec moi. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, mettez plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. On a toute la nuit, hein. Ou bien vous êtes des chochottes. Voilà. Vous êtes un petit peu heureux.
Vous avez bien merdé votre montre. Et nous autres, on veut avoir des preuves. Et vous faites, pour le moment, vous faites rien. À part déclencher comme ça, le K2, comme ça. Allez-y, s'il vous plaît, je vous mets au défi de refaire la même chose que j'ai fait. S'il vous plaît. Nous, on veut voir quelque chose, ou entendre quelque chose. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous vous montrer? Tapez sur un meuble, une armoire, faites tomber quelque chose de l'étagère, la petite statuette qui se trouve là au-dessus de l'étagère, faites-la tomber, s'il vous plaît. Ou bien, essayez d'ouvrir la porte. Ça, ce serait une belle preuve. Donc, j'aimerais bien que vous ouvriez la porte, s'il vous plaît. Allez-y, j'attends. Si vous le faites pas, c'est que vous êtes, voilà, à moins que rien. Des chouchottes. Des chouchottes, voilà, simplement. Voilà. Ou bien vous savez qu'on n'a pas peur de vous. Peut-être aussi. Et vous, vous avez peur de nous? C'est quoi ça? C'est une porte, apparemment. Je vais aller vérifier. J'ai fermé la porte de la grande chambre. Ouais. Il faut voir s'il n'est pas ouvert. C'est vraiment... Tu l'avais fermé? Complètement. Ah oui. Et il y a un espace de 10 cm. Un espace de 10 cm. Et je l'avais fermé. Donc j'ai demandé pour qu'on ouvre celle-ci. On a ouvert là-bas. Alors, si vous avez fermé ou ouvrir la porte de l'autre côté, veuillez faire avec la porte qui se trouve ici dans cette chambre, s'il vous plaît. Comment elle l'était, hein. Donc, demande s'ils ont bougé une porte en bas ou quoi. Oui. Quoi? Elle s'est refermée. Elle s'est refermée? Oui. Elle s'est refermée. Attends, on va aller là-bas avec la caméra. Et tu crois que si on laisse le dictat, non, ça va... Non, on va... À mon avis, ils jouent. Ils jouent. Ça les amuse d'être là-bas. Et ils ont changé de pièce. Hein. Changé de pièce. Ah oui, évidemment. Si on va là-bas, ils vont revenir ici. Hein. Ouais. Je vais laisser la porte ouverte. Elle est fermée maintenant. Vas-y, laisse-la comme ça. Allez, au lieu de jouer avec nous, ne restez pas là-bas. Venez vers nous. Ouvrez la porte qui est ici dans cette pièce. S'il vous plaît, je vous l'ordonne, je vous mets au défi d'ouvrir la porte qui se trouve ici dans cette pièce, s'il vous plaît. Mais pas la porte de l'autre chambre, je veux cette porte-ci. Arrêtez de jouer avec nous, je ne veux pas la porte là-bas, je veux la porte ici, s'il vous plaît. Attends, je vais voir.
est ouverte. Elle est ouverte. Allez, si vous êtes dans la pièce qui est là. Attends, reste là. Veuillez bouger la porte, s'il vous plaît. Si vous jouez avec nous, allez, on est entre les deux pièces. Soit vous ouvrez la porte de la chambre qui est là, ou bien vous bougez la porte qui est de l'autre côté. Reste là, Francis. Si ah, oui. Ah oui, c'est bon. On va retourner dans la pièce. Allez, s'il vous plaît. Si vous aussi vous vous demandez si ces faits paranormaux sont bien réels, ou si ce sont des canulars, alors vous êtes tombé sur le bon groupe, la vidéo était l'irréfutable, prêtez une attention spéciale à ce passage, où l'on peut apercevoir cette trace lumineuse au sol. Vous pouvez constater la lampe de la caméra IR de Francis Nicolas, et ainsi le va-et-vient réel de la porte de cette chambre. Venez vers moi ouvrir cette porte! Ou bien cogner sur la porte. T'as bougé, Francis? Non, mais j'entends bouger à côté de moi. Ben, c'est ça, moi j'entends du bruit, au fait. Essaye de poser des questions, Francis. Je viens de tourner la caméra parce que j'entendais du bruit à côté de moi. T'as entendu du bruit à côté de toi? Oui. S'il vous plaît, si vous pouvez faire quelque chose à côté de Francis Nicolas, faites-le. Ou bien venez faire ici, dans cette chambre. Il y a quelqu'un derrière Francis. Francis, il y aurait quelqu'un derrière toi. C'est ça que j'ai entendu alors. Ouais. Ok. J'entendais ici à ma droite. Si vous voulez me toucher, il n'y a pas de souci. Hein. Comment le prénom? Marie-Estelle. Marie-Estelle, est-ce que vous êtes dans cette pièce? Allez, si vous êtes à côté de Francis Nicolas, pouvez-vous le toucher, s'il vous plaît? Ou bien venir me rejoindre dans la pièce où je me trouve ici? Dans la petite chambre. Essayez de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Venir me dire quelque chose, ou bien me toucher. Allez-y. Veuillez me toucher. Dites quelque chose dans mon dictaphone. Dans le petit appareil qu'il y a dans ma main, il y a une petite lumière orange. Venez tout près parler, s'il vous plaît. Allez, je voudrais avoir une réaction, s'il vous plaît. Parce que ici, on va passer au niveau supérieur. Hein. On va essayer de provoquer. On va vous provoquer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous serez obligé de faire quelque chose. Allez, faites un bruit, quelque chose. Allez, je ne sais pas quoi.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans cette pièce? Ou bien pour vous manifester, essayer de prendre mon énergie pour faire bouger un objet qui se trouve derrière moi, ou faire bouger les tentures ou bien les draps qui sont sur la rampe d'escalier, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber le manche de l'aspirateur, oui ou non? Dites-le moi, s'il vous plaît. Non, il est près de moi. Ouais. Oh, je le sens, putain. Si vous êtes à côté de Francis Nicolas, faites bouger un objet à côté de lui, s'il vous plaît. Parlez-moi. Faites quelque chose. Venez près de moi. Touchez-moi ou bien touchez Francis Nicolas. Il a peur, ou bien il est en train de jouer avec nous. Ouais. Mais il faudrait savoir maintenant où ce qui se trouve. Ah, c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours dans la rampe d'escalier, oui ou non? Dites-le moi. Je vois ce qui est tombé. Oh, il y a quelqu'un ici? Putain, les rois. Ah, je vois. Médecin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? C'est incroyable. On était, je vous explique, on est en train de préparer en fait tout simplement un truc à l'extérieur avec l'arc qui est coupé et tout. Donc Vincent, Francis, il y a des gens dehors et tout. Et nous, on était dans le local technique juste en dessous, qui se trouve en dessous de cette pièce-ci. En fait, on a les écrans juste ici sur la gauche, en bas. Il y avait moi, Greg, Marie. Et c'est incroyable, on a entendu quelque chose tomber ici en haut. Ou comme si on sautait. Et il n'y a personne. J'arrive ici dans le couloir. Au niveau des portes ici, avant de rentrer dans cette chambre-ci, et j'ai une grosse dose d'électricité statique. Je ne sais pas si on le voit. Je ne sais pas si ça te voit. J'approche mon bras pour vous montrer. Donc voilà, je ne sais pas vraiment si vous le voyez ou pas. Je suis monté directement ici en haut pour voir si je peux pas avoir quelque chose ici. Donc je vais un peu faire de la provocation pour voir et voir ce éventuellement si on peut avoir quelque chose. Le boîtier lui-même, en tous les cas, je peux vous dire qu'il est ici. Il s'allume. Je ne sais pas si vous voyez, je ne pense pas. Je ne sais pas si je peux bouger la cam ici. Donc, veuillez m'en excuser. Je vais bouger et vous montrer si je peux, en fait. Vous voyez le boîtier qui se trouve là. Je ne sais pas si vous voyez une lampe, parce qu'avec l'IR, je ne sais pas si vous voyez la lampe qui est légèrement allumée. Donc,
ça c'est la chambre en fait. Donc je vais poser la caméra ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? On va revenir après, parce que c'est ce qui est en bas, est intéressant aussi. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui se trouve ici à l'emplacement de cet arbre? Il y avait un arbre ici. Pouvez-vous me dire si c'est vous qui provoque les manifestations dans cette maison depuis qu'on a coupé cet arbre? Oui ou non? Si jamais vous répondez, soyez plus précis dans votre réponse. Essayez de parler plus clairement. T'as entendu, Audrey, qui a dit dégage, non? Hein? Je sais pas. Je vais être plus précis. Est-ce que vous voyez qu'il y a encore des esprits qui se trouvent dans la maison, oui ou non? Il y en a 5 dans la maison. Donc, je regarde pour ouvrir une fenêtre parce que le parcours. J'ai demandé ici s'il y avait encore des personnes dans la maison, 5. Ouais. Ouais. Ah, qui est assez volontaire pour lever? Ouais, il y a assez de personnes, là, vous pouvez venir ici, vous faire la caméra, vous êtes sur le live. Pas de petit coup, on va te voir. Alors, comme je répète, la même question de tantôt. Je vais mettre pouvez-vous me dire combien de personnes il y a autour de moi? Dites-moi un chiffre entre 1 et 20. Alors, pouvez-vous me dire le nom de l'arbre qui se trouvait juste à mes pieds ici où je suis, Pouvez-vous me dire le nom de l'arbre? C'était quoi comme arbre? Il a dit quelque chose, mais... Ah oui. Un chêne, je pense. Hein? Un chêne. Un chêne? Ouais, un chêne. Alors, est-ce que c'était un chêne, oui ou non? Est-ce que vous êtes content ou pas content qu'on ait coupé cet arbre? Êtes-vous furieux pourquoi ils ont coupé cet arbre? Vous êtes furieux? C'est pour ça qu'il y a des manifestations, oui ou non? Est-ce que vous étiez fort attaché à cet arbre? Oui ou non? Je répète ma question, si le propriétaire replante un chêne au même endroit, est-ce que vous partirez de la maison, oui ou non? Ouais.
Ok. Est-ce que vous vous trouvez toujours dans la maison? Oui ou non? Je vais faire des trucs. Et tu vas demander pour un s'il te plaît. Tu vois? Ouais. Pour un pour me toucher ou des trucs comme ça. Ou... Ouais. Tu vois, c'est le mieux. Ouais. Ok. On va voir. Ouais. Ça va. On verra bien. Ouais. Mais mets-toi devant une caméra alors. Hein. Alors, on va faire un petit test ici. Christophe va monter dans une des pièces en haut. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire comme geste, je ne sais pas ce qu'il va poser comme question, moi je ne serai pas l'entendre rien du tout, mais alors je vais demander aux entités qui sont encore dans la maison pour essayer de toucher ou non, et il me dira si ça fonctionne. Alors, il y a Christophe qui est monté dans une des pièces en haut, dans une des chambres. Allez-y, si vous êtes encore dans la maison, essayez de toucher Christophe ou bien de faire du bruit à l'intérieur. Alors, petite question. Pouvez-vous me dire où Christophe se trouve dans la maison? Chambre. Chambre. Dans quelle chambre est-il? Chambre des parents ou chambre des enfants? Je répète, dans quelle chambre se trouve-t-il? Dans une des petites ou dans une grande chambre? Allez-y, répondez-moi, dans quelle chambre se trouve-t-il? Dans une des deux petites chambres, ou bien dans la grande chambre en haut? Ou dans la salle de bain? Non, 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 vous avez dit dans la chambre. Dans quelle chambre? La grande ou bien dans une des deux petites? Dites grande ou petite. 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 Alors, dans la petite chambre, est-ce qu'il y a des nounours, oui ou non? Est-ce qu'il y a des animaux en peluche dans la chambre, oui ou non? Je vous redemande, dans quelle petite chambre est-il? Dans la chambre où il y a les nounours, dans les chambres où il y a les ours en peluche, ou bien dans l'autre chambre à côté où il y a le lit en bois, dans le grand lit en bois? Si vous êtes dans une des deux chambres, pouvez-vous toucher Christophe, faire allumer un K2 ou bien un détecteur EMF?
faut faire du bruit pour lui, ouvrir une porte, faire tomber un objet. Est-ce que vous savez le faire, oui ou non? Je suis rentré, Kidabi. Vous êtes rentré dans quelle pièce? Dans quelle chambre? Si jamais vous avez bougé un objet, dites-moi l'objet que vous avez bougé. Est-ce que vous pouvez toucher Christophe, oui ou non? Dites-le-moi si vous l'avez touché. Ou bien foutez-lui une baffe dans la gueule. Allez, si vous avez le faire, faites-le. Il est dans une chambre, il est tout seul. Allez, tapez-lui une bonne claque derrière la tête. Allez, si vous l'avez touché, dites-le-moi, oui ou non. J'ai entendu le visage, non? Est-ce que vous l'avez touché? Vous l'avez touché au visage, oui ou non? Hein? De quoi? Tu as eu des bagages? T'étais dans une des chambres. Ouais, oui, ça je sais. Dans une des petites. Ouais. Et on t'a rien dit? Si. On t'a dit quoi? On m'a demandé dans quelle chambre tu étais. Ouais, mais ils t'ont rien dit? J'ai demandé qu'on te dise qu'il y a ta chambre. Ah, qu'on me dise quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a eu comme mot? J'ai eu quoi comme réponse? J'ai eu chambre. Visage. Visage. Petite. Donc c'était une des petites chambres. Ouais. Je sais pas laquelle. En effet. Dans la chambre qui était là. Ouais, et j'ai demandé s'il y avait des nounours ou non. Ça m'a pas répondu. Ouais, mais ils t'ont encore fait jouer avec moi. Ah ben c'est ce que j'ai demandé. J'ai vu quelque chose qui passait à couleur, mais je sais pas des fois. Mmh. J'ai vu quelque chose passer. J'ai eu des bruits à côté de moi. Et puis alors là, j'ai eu une décharge. C'est juste au moment où j'ai dit je vais quitter la chambre. J'ai demandé qu'on te dise je t'aime. Et j'ai demandé qu'on t'appelle Vincent. Ça j'ai pas entendu. Mais oui, je me dis Vincent, parce que je me dis je t'aime, c'est peut-être un peu lourd. J'ai pas entendu. Mais moi j'ai demandé pour qu'on te touche. Ouais.
Ben, je te dis, j'ai montré la caméra, j'espère qu'on l'a vu en live et que enfin, voilà, que c'est enregistré. Parce que, ah, j'ai demandé à qu'on le touche. Hein. Mais je me suis relevé et tout, hein. J'étais assis sur le lit, j'avais le boîtier MF à côté de moi. À un moment donné, j'ai eu un éclat, patch, tu vois, comme si tu avais une décharge électrique. Quoi. Et puis, j'ai mes bras, mes poings, c'est comme ça. Mmh. j'ai pris mes je sais, je me suis avancé, puis alors, j'ai eu le coup. J'ai dit, faut pas jouer avec moi et tout ça. Je pense que quelque part il y a on va avoir du résultat. Je crois. Oui, mais je crois qu'on va avoir du résultat, ils aiment bien jouer. Donc, je pense qu'il va falloir jouer avec. François se dit qu'ils sont partis. Mais... Non. Ouais. Surtout, non, non, je pense qu'il y en a. Mais il y en a qui. Ouais, j'ai envie de vomir. Ah bah oui. Non, je te dis, j'ai demandé dans quelle chambre ils ont dit dans quelle pièce dans, en haut. Il y a quelqu'un, ça je voulais savoir, est-ce que quelqu'un est rentré, a ouvert la porte d'entrée ou quoi? Non. Personne n'est rentré. Tout le monde est resté ici dehors. Ça c'est extraordinaire. J'ai eu une porte. Personne n'était rentré dans la maison. Hein. Est-ce qu'il y a une porte dans la maison aussi, monsieur. La dame qui a fermé. Monsieur, en haut, est-ce qu'il y a une porte qui graisse? Ouais, la porte juste à côté. La chambre qui est là en face. Oui, en ouais, face, la porte oui. Elle grince un peu. À un moment donné, quand j'ai vu quelque chose passer, mais c'est pas une masse que j'ai vu. J'ai vu un genre de petite ombre, tu vois. Ah, oui. Et ça attire mon regard dans le couloir, tu vois. En fait, j'ai ressenti des trucs dans la petite chambre et tout ça. Et à un moment donné, ça c'est extraordinaire. Oui, mais attends, à un moment donné, et ça c'est extraordinaire, c'est que j'ai entendu le bruit d'une porte, tu vois, qui grinçait, qu'on ouvrait et qu'on refermait. Et c'est ça que je me demande si on est rentré. Et de toute façon, on va faire le test, on va aller tester les portes. Et en même temps, j'ai vu une fine lumière, tu vois. Mais très, très, très fine, tu vois. Et qui a disparu. C'est pour ça que. Mais là, c'était plus vers le fond du couloir. C'est cette porte-là qui s'ouvrait tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Écoutez bien ce qui va se produire. La voix que vous allez entendre n'appartient à aucune des personnes sur les lieux. Juste après, quelqu'un court au premier étage. Vu le volume et la netteté de la voix, nous pensons ce que nous avançons, quelqu'un ou quelque chose était à ce moment-là près de nous. Ce PVE a été capté uniquement via la caméra de Francis Nicolas, qui avait oublié de la couper. Je pense qu'ils vont partir, on va juste allumer la lampe et tout. Oui. Ici. Il faut laisser la porte d'entrée fermée. Écoutez bien ce qui va suivre. Vous pouvez constater des bruits de pas. Nous avons tous été surpris, alors que nous nous apprêtions à débriefer avec la presse. La grande chambre, il y a Il y a quelqu'un ou quoi? Non. Non. On vient de courir? On vient de courir dans la chambre, on vient de courir en haut, Françoise. Et il n'y a personne en haut. Ah oui, j'ai entendu. Oui, oui, on a couru. Je suis ici. Oui, je suis ici. Maintenant. Ouais, mais... Oui, on vient d'entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Attends, mort. Je vous ai dit que j'allais monter. Oui, Mais vu, ça fait 3h du matin. Ah oui, ça c'est... C'est pas la porte ici qui a glacé. Non. Il faudrait peut-être récupérer. Il faudrait peut-être récupérer. Il y a quelque chose, là, franchement, je le dis avec toute sincérité. Il y a bien quelque chose ici. Ça m'a pas l'air d'être trop méchant. Mais il y a bien quelque chose ici. Au départ, quand je suis rentré ici, les sensations que j'ai eues, quand on est rentré ici, on a eu un peu la chair de poule. Et franchement, j'ai vu quelque chose passer dans le couloir, mais je ne sais pas dire quoi. Mais j'ai eu de l'électricité statique, mais comme une décharge électrique, voilà. Et puis ici, je ne sais pas combien de personnes l'ont entendu. Là, en plus, j'étais ici avec Marie, là, ici. À un moment donné, on était que deux, je crois. Et Greg, peut-être, était là. Je ne suis pas sûr. Mais à un moment donné, on a entendu un boum en haut. Comme si quelqu'un sautait ou quelque chose tombait. On est rentré après ici. Je pense qu'on l'a tous entendu quand même. On a entendu quelqu'un courir en haut. Mm-hmm. Vraiment. Ouais, on a vraiment entendu courir en haut. Juste ici, au-dessus de ma main, ça courait là. Ouais. Évidemment, on a fait beaucoup de bruit, tout ça. Ouais. Et en fait, il était comme ça, ici. Il était là. Ouais, c'est ça, voilà. Il a fait ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Il a fait ça. Ouais, oui, il a fait ça, exactement. Il a fait ça. Ouais, oui. Il est reparti. Voilà. Puis il est revenu. Voilà. Il nous a regardé. Oui, c'est ça, et puis il est reparti. Et il est reparti. Ouais, ouais. Putain. Mais tantôt, je suis monté, il faisait fort calme, maintenant on a bougé beaucoup et on a parlé beaucoup. Ouais. Ou alors on attend encore un petit peu, on sait jamais. Ouais, on attend encore un peu.
On refait un passage à la caméra thermique. Ici, ben, on va terminer l'enquête dans pas longtemps. En regardant avec la caméra thermique, en fait, on a vu une entité dans cette chambre-ci qui se montrait. J'espère que vous avez écouté, vu des trucs intéressants, j'espère. Surtout point de vue Ghost Box, séance Ghost Box. Normalement, on a capté des choses intéressantes. Bon, maintenant, on a fait séance PVE, mais maintenant, il faut voir si on a capté des PVE. Et si Francis termine avec la caméra thermique, quoi. Donc, Mais tout ce que je peux dire, c'est que les personnes que les gens de les locataires de la maison qui sont ici sont pas des menteurs. Voilà. J'ai prouvé et j'en suis fier aujourd'hui. Et surtout pour le maire, hein, parce qu'il m'a pas cru du tout. Et donc voilà, je suis contente de l'équipe. Franchement, bravo, parce que ben voilà, on a eu ce qu'on voulait et voilà, on n'est pas fous, quoi. Je peux pas dire que je voulais juste de plus. Voilà. Merci à l'équipe surtout, hein. Thank you.